Et salut les rocketteurs, c'est Gaspo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de D7. Salut Gaspo, comment toi tu vas? Parce que tu vas te faire ouvrir aujourd'hui. Ouh là là, déjà ça menace. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que c'est un hommage à une vidéo que j'ai sortie en septembre. Peut-être vous en rappelez, c'était « Si je mets un but à plus de 145 km/h, je gagne 1000 balles ». Eh bien, en fait, je fais cette vidéo pour vous prévenir que Psyunix m'a contacté pour me donner les 1000 balles. Donc voilà, merci Psyunix, c'était vraiment les 1000 balles les plus faciles que j'ai fait de toute ma vie. Aujourd'hui, on va faire un jeu un peu spécial que j'ai appelé le Battle de Pinch. On va avoir tous les deux 30 minutes, moi et D7, pour mettre le plus de ground pinch possible. Tu peux faire un ceiling pinch aussi si tu veux. Mais le but, c'est de faire un but toujours à plus de 140 km/h. On va noter le nombre de buts qu'on met à plus de 140 km/h et chaque but au-dessus, ça fera le nombre de km/h en euros. Je sais pas si t'as compris D7, mais en gros... J'ai capté. Un but à 147 km/h, ça met 147 € dans ta cagnotte. Et ainsi de suite, si tu mets un but à 153 km/h, on fera 147 plus 153 €. Sachant que, petite subtilité, le but le plus avec le plus haut kilométrage que tu mets sera x10. Donc si tu mets un but à 185 km/h, imaginons, eh bien tu te feras 1850 € dans ta cagnotte. Et à la fin, on va soustraire nos deux cagnottes pour avoir le résultat total de l'argent que le meilleur recevra. J'espère que t'as compris, je suis le pire explicateur de défi. Merci à toi D7. Non mais j'ai compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il veut me soutirer de l'argent. Il n'a pas réussi lors de la première vidéo. Là il s'est dit, attends mais... Il me doit de l'argent et du coup, cet épisode, il va essayer de me soutirer tout l'argent de mes employés. Ils vont être au chômage à cause de toi. Je veux pas de rémunération par les pubs, je veux de la rémunération par le porte-monnaie de D7. Voilà, c'est l'objectif. Ah oui, au fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo qui est Red Shadow Legend. Red Shadow Legend, c'est un excellent jeu d'action et d'aventure au tour par tour. Ce que j'adore dans ce genre de jeu, c'est de faire évoluer mes personnages. On peut en avoir plus de 600 et il y a un vrai sentiment de progression pendant toute l'expérience de jeu. Un truc que je kiffe bien aussi dans Red Shadow Legends, ce sont les boss. En effet, dans ce jeu, il y a une variété tellement folle de boss, tous plus stylés les uns que les autres. D'ailleurs, l'un de mes boss préférés, c'est Sylvania, gardienne de l'esprit. C'est un boss qui se soigne jusqu'à la moitié de sa barre de vie à chaque fois qu'elle obtient un tour et elle inflige des dégâts bonus en fonction de la quantité de points de vie qui lui reste. Ce qui fait de Sylvania un boss très compliqué en venir à bout, mais très fun à combattre. Le jeu a aussi beaucoup d'activités ce mois-ci, avec par exemple une nouvelle révolution du brutal Hydra Boss, et en ce moment, pour fêter la Saint-Valentin, vous avez accès à des événements spéciaux qui vous permettront d'obtenir un tout nouveau champion légendaire. Et pour moi, c'est vraiment la bonne période pour commencer à jouer à Red Shadow Legend. Car si vous cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code ici à l'écran, vous obtiendrez alors plusieurs grosses récompenses dès le début du jeu. Déjà, c'est cadeau, grâce à mon lien, vous obtiendrez directement un champion épique gratuit qui s'appelle Eina. Mais pas que, vous aurez aussi 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et surtout un éclat ancien qui vous permettra de débloquer de superbes champions dès que vous entrez dans le jeu. Sachez que les récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Alors dépêchez-vous, cliquez sur le lien dans la description pour ne rien rater de ces formidables récompenses. Et voilà, je remercie encore Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci à eux, c'est grâce à eux que la vidéo est possible. Et maintenant, on va pouvoir passer tout de suite à l'affrontement entre moi et D7 dans ce magnifique Battle de Pinch. En vrai, confiant ou pas? Est-ce qu'en grande pinch, t'as un niveau monstrueux? Oui, je suis très confiant, je vais t'ouvrir en deux. Tiens-toi prêt. Du coup, on sera chacun de notre côté, on sera pas en call pendant qu'on fait les pinches. On va tous les deux mettre un timer de 30 minutes et on notera les pinches qu'on mettra. Je tiens à préciser que dans la vidéo précédente, là où c'était les buts en hauteur, j'ai demandé à D7 son PayPal, il me l'a toujours pas donné. Hein. Donc désolé, je veux lui donner de l'argent, il veut pas. Donc voilà, arrêtez de m'accuser de jamais donner d'argent à D7 dans ses vidéos. Il me donne même pas son PayPal. Donc voilà, j'espère que cette fois il gagnera un peu plus que 70, comme ça il aura envie de donner son PayPal parce que peut-être que 70 € c'est pas assez. On ne sait pas. Bah voilà, D7 c'est bon. On est parti, hein. Je pense qu'on peut activer son timer et allez, partir en occasionnel et mettre le plus de buts possible. Allons-y. Allez, je lance le timer, boum, 30 minutes et on est parti en occasionnel. 1v1, let's go. Il y a un truc qui m'a un peu surpris quand il a dit que le plus haut nombre de kilométrage allait faire x10. Ça veut dire que quelqu'un d'entre nous va gagner plus de 1000 balles. Est-ce qu'il se rend compte? 1000 balles? Oh, wow. Bon, j'espère qu'il y a au moins un d'entre nous qui va réussir à faire un pinch à plus de 140 km/h en 30 minutes, parce que je me souviens que la dernière fois que j'avais essayé en faisant le contest pour 1000 balles, là, j'avais galéré à faire plus de 140. Allez, déjà le premier pinch, le premier pinch. Hop, on récupère le ceiling et... Bing! Mon adversaire qui me gêne. Ça m'embête un peu. Je suis désolé, si je fais un pinch avec l'adversaire, ça compte. Hein. Ça compte, on va pas déconner non plus. Ok, je vais faire un reset into pinch. Wouah, comment j'ai fait pour le bump, what the fuck, incroyable. Putain, j'ai déjà 2 minutes d'écoulé, j'ai même pas mis un seul but.
C'est une catastrophe. C'est de la merde. C'est de la merde! Comment ils font? Comment ils font les joueurs pinch là? 120 km/h seulement. Il a dit minimum 140, mais je vais quand même le noter parce que je sens que personne va faire de 140. Quand j'avais fait une vidéo à l'époque de Grand Pinch, j'avais réussi à faire genre 170 km/h au bout de 3 heures. Et là, il me demande de faire plus de 140 au bout de 30 minutes. Je pense qu'il a. Surtout que c'est même pas du tour par tour, c'est juste faut se battre avec l'adversaire. Ok, là j'ai une bonne balle. Oh le pinch, la vitesse à laquelle il est parti, incroyable, c'est au moins du 170. 67, décevant. Ok, ça c'est une bonne balle par exemple. Combien? Ça c'est plus de 140 ça. Ça c'est 107, c'est le premier vrai pinch que j'ai mis. Mais 107 ça reste de la merde, hein. Ça reste de la merde. En plus c'est horrible parce que si je mets pas un seul but à 140, bah du coup j'ai 0 dans les buts les plus rapides. Et du coup je dois 1500€ à D7, boum, d'un coup. Ça c'est triste, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre au moins un but. Allez, c'est bien ça. Oh le pinch. Je sais pas s'il a roulé ou pas, mais là il est parti vite quand même. 121, c'est pas mal, on s'améliore pour l'instant. Oh là, c'est tellement stressant d'avoir un timer à côté en vrai. Oh, je suis sûr, D7, il a déjà mis un but à 180 km/h là. Oh, il joue pas. Ouh, il joue pas. Ça, this is my time. This is my time. Mais nique ta... La deuxième tentative. C'est de la merde, c'est de la merde. 104, c'est nul. Ouh, il est pas mal lui. Bah après, il va pas dépasser 140, hein, je ne pense pas. 121, putain, j'ai fait 119, 120 et 121, c'est incroyable. Allez. Dis-moi que c'est but. Allez, dis-moi que c'est un but à 135 là, au moins 130. 111, putain, mais je suis nul à chier à ce jeu. Comment ils font les freestylers, bordel? Faut que je m'entraîne, en vrai, faut que je m'entraîne. Je mets des beaux buts en free play seulement quoi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, on part sur un bon truc, on part sur un bon truc. Quoi, 130? Comment ça 130? Comment ça seulement 130? Mais comment ça? Et pour moi c'était du 300 km/h là. Putain, seulement 23 minutes de la fin. J'ai failli mettre un 130 déjà, ça aurait été insane. J'ai le démon. Allez, on est bien là. Merde. Je suis trop nul. 15 minutes, j'ai toujours pas mis de but à plus de 140. Je suis dans la merde. Mon plus beau but, je crois que c'est 121. C'est une catastrophe. Et je crois que Gaspo était beaucoup trop confiant pour mettre des pinches à 140 en... Ah bah en plus ça touche la barre. Ma mère la pute. Oh, je comprends pas. Franchement, je comprends pas les pinches. C'est de la merde. C'est de la merde. 90, non mais... Quelle honte. Ah, il reste 18 minutes, hein. Et j'ai pas fait un 140. On va changer de voiture et on va essayer la Batmobile. Là, mon rêve, c'est qu'on arrive au bout des 30 minutes. Moi, D7, on a tous les deux pas mis un but à plus de 140. Et là, on se dit, D7, 30 minutes de plus. Ok, pas mal. Y'a aucune balle qui veut partir, 103 km/h. You so good, ah merci. Au moins l'adversaire m'encourage et ça fait plaisir. Oh non, arrête, oh par pitié, c'était 100 000 km/h là. Ah c'était 100 000 km/h, j'allais gagner au moins 1 000 000 sur cette vidéo. Combien là, combien? Est-ce que c'est plus de 140? 99, ouais bon, je suis toujours une merde. Bonne balle. Oh putain, ça partait à plus de 140, je suis dégoûté. Oh là 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 là, je l'ai vu tellement partir fort. On la refait. Mais gros, c'est pas parti, ça me rend fou. Pourquoi je propose des battles de pinch à D7 alors que je sais même pas faire de pinch? C'est ça le pire. Il a sûrement déjà mis un 178 lui. Le freestyle. Ils doivent gagner 1000 balles. Oh, il est pas mal. 150. On le note, c'est 150. Let's go. Allez.
Let's go, c'est un petit 150 ça, je pense que c'est insane. Il me semble que c'est, je sais pas si c'est insane, mais j'ai l'impression. Il reste 13 minutes, j'espère juste qu'en fait Gaspo il pourra faire autant de pinch à 140 qu'il veut. S'il a pas fait un plus de 150, je le nique en fait. Merde, il reste 8 minutes, j'ai rien mis encore, j'ai encore rien mis. Oh oui, oh oui. Mais pourquoi ça part pas? Ça rend fou, je vais péter les plombs, je vais perdre 1000 balles, super. 96 km/h, let's go. En fait, faudrait que je me mette plus au-dessus de la balle. Je sais pas ce que je branle. My time. Il l'a arrêté, mais j'en reviens pas. Mais de toute façon, c'était même pas 140 km/h. Mais quand même, juste par principe, j'ai tiré pile sur l'adversaire, quoi. Allez, bonne balle, ça, bonne balle. Et bien sûr, il vient me gêner au moment où j'ai une bonne balle. Évidemment, mais évidemment. Je sais pas ce que ça donne. Je pense que ça va pas être un truc ouf. 102. Il reste 8 minutes. Je vais mentir. Je suis pas encore SSL. Mais... Allez, Gaspo, s'il te plaît. Sois béni des dieux. Dieu. Bénissez-moi. Pour ce move. Dis-moi que c'est plus de 140 là. Allez, dis-moi. 108. Mon but le plus rapide, ça a été 121. C'est catastrophique. C'est peut-être mon moment. Let's go! Elle est partie celle-là, attention, combien? Non, c'est une blague. C'est du troll, 139 km/h. J'étais à 1 km/h de l'euro! Non mais c'est pas possible, je suis maudit là, je te jure, je sais pas ce qui se passe. Oh, j'ai même plus envie de jouer. Franchement, j'ai même plus envie d'upload la vidéo là. Oh, le seum que j'ai. Oh là là, j'ai jamais eu autant le seum de ma vie. Incroyable. What the fuck. 139 km/h. Comme si le jeu me trollait, quoi. Incroyable. C'est terrible ce qui se passe sur vos écrans actuellement. Des images terribles. Il reste une minute. Pour mettre le but de ma carrière. Allez, c'est maintenant. Ah putain, ça c'est pas 140, ça c'est pas 140. I'm FFing at 4 anyways, farming mom. 5 FF là. Ça va être la fin. Oh, Gaspo, pas ouf. J'avais mis ce texte de fin, il est vrai. FF là, je crois. Ouais. Il faut aller en call avec Gaspo. Allez, on se concentre. Ça part pas. Et c'est fini. C'est fini, les amis. Le dernier à 113. Eh ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh là là. Bon, on va aller voir D7 et voir ce qu'il a à me dire. J'espère qu'il a mis 0 but lui aussi. Et comme ça, on refait 30 minutes. Allez. D7, ça va? Oui. Combien de buts t'as mis là? À plus de 140? Ouais. Un. T'en as mis combien? 0? 0. J'en ai mis un, donc j'ai gagné. Mec, tu sais combien j'ai mis? 139. Ouais, 139, exactement. Je savais que ça allait être impossible 140 en 30 minutes. J'ai, par chance, j'en ai mis un. Ah ouais, t'as mis combien? 150. Voilà. Et j'aurais pu mettre 2-3 à 160, 170, mais... Oh, putain, 160 plutôt, mais ils ont fini sur la barre. Alors 150 x 10, c'est ça? Ouais. Alors 150 x 10, je suis quasiment sûr de mes calculs, mais allons utiliser la calculatrice. C'est bien ce qui me semblait. Gaspo, j'ai comme l'impression d'avoir gagné 1500 balles. Bah, je crois, hein. Je crois que c'est une catastrophe. Putain, mais non, mais attends, le Sonix qui me donne 1000 balles pour les redonner à D7, ça c'est incroyable. Tu veux pas me donner le x10 à mon 139 là? Là, le PayPal va être donné, c'est ça, hein? Ah oui, alors attends, je vais te le donner. Allez, tu sais quoi, je suis gentil, je t'offre les 70€ de la dernière vidéo, oh, ça me mec, fait plaisir. C'est vraiment sympa. Bon, j'espère que D7 ça t'a plu cette vidéo, je pense que ça t'a plu. Hein, oui, ouais. Alors là, j'ai kiffé, alors là, mec. Est-ce que tu veux faire un autre épisode? Moi, y a aucun souci. Hein. Ah ouais, bah si tu me les rends, ça me va. Et si tu dois encore me donner 1500 balles, ça me va aussi. Hein. Bon, en tout cas, vas-y, on va faire l'outro quand même ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Gaspo, on garde le sourire. Let's go, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que bon, j'aimerais bien que cette vidéo soit rentable, donc abonnez-vous les gars, merci. Et laissez un pouce bleu, let's go, et surtout abonnez-vous à la chaîne de D7, voilà, encore un cadeau que je lui fais. Yes. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars, et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Gaspo et D7, salut D7. Salut Gaspo, yes, yes.